De quoi? Jeudi midi, on a dit quoi? Jeudi midi, on a dit... Resto. Resto. Et du coup, en équilibre, jeudi soir, on se fait une petite soupe maison. Avec... t'as marqué jambon blanc poulet pour les courses? Oui. Une petite tranche de jambon, du fromage. Vendredi midi, saumon épinard. Moi, je me ferai des lasagnes saumon épinard, j'en ferai à Mary. Et au pire, toi, tu peux faire des lasagnes normales. Bah faut me dire, marqué, j'avais marqué saumon épinard. Toi, est-ce que toi du coup tu vas manger quoi à la place? Je suis pas là vendredi. Ah bah lasagne saumon épinard, je préfère. Du coup faut marquer dans la liste lasagne de course. On n'a plus de pâte à lasagne. La crème on en a, oui. Tu peux prendre un truc de crème au pire, j'aime bien en avoir d'avance. Crème. Et c'est tout ce qu'il me faut. Ok. Ok, vendredi soir. Vendredi soir, il y a ça qui me parle. Bruschetta de poulet, version sèche. Du coup, il faut 100 g de pain bruschetta, donc je peux marquer pain bruschetta en mode de course. Bruschetta de poulet? Ouais. Donc, bruschetta, il faut du pain bruschetta. Blanc de poulet, 70 g. Blanc de poulet, de toute façon, t'as marqué poulet, en général. On prendra, on s'arrêtera bouché. Et 100 g de tomates. C'est le poivre. On a, pour la tomates, sauce. On a des tomates pelées, on a deux boîtes. Non, mais il faut des tomates fraîches. J'ai marqué tomates. Ils disent que pour la sauce, 80 g de fromage blanc, 0%, donc on en a. Une cuillère à café de jus de citron, on en a. Une cuillère à café de basilic. On n'a pas de cette basilic, non? Ça, ça a l'air très bon. Pommes de terre, chèvre lardon. C'est pas catastrophique. Ouais, on peut manger ça avec une petite salade. Ouais, mais moi, ça, je peux pas suivre la recette. Bah ouais, mais mon frère, c'est pour y faire en version sèche. Ouais, mais pas patate. Attends, est-ce que tu peux me prendre Raph deux secondes pour que je puisse te mettre là? Allô? A few moments later. Tu marques... Oh, tu marques bonbon Halloween. C'est quand Halloween? Bah c'est ce week-end. Ce week-end là? Oui. Il faut prévoir les bonbons. T'es sûr que c'est là? Ah oui. Bonbon Halloween, tu marques. Tant qu'on est au cours, on prendra les bonbons Halloween. Mon pipi. Bah, vas-y, mon chat, tiens le pot, mon chat. Ah mais oui, mon amour. Tu veux voilà. Tu veux combien? Allez, va faire pipi mon cœur. Vas-y. Oui, donc bonbon d'Halloween. Tu marques une tablette de deux tablettes de chocolat au lait noir. Enfin, deux tablettes de chocolat. Tu veux faire quoi avec? Je pense que je vais faire comme un cimetière. Quoi? Je vais faire comme un cimetière, ah, comme gâteau. Tu marques langue de chat, s'il te plaît. Mais pour chez moi? Mais non. Ça, c'est pour le truc de Léonie. De tablette de chocolat, là, tu sais qu'on est sur le gâteau, il y a marqué de venir ça, l'hostie un peu, là, la matière. Ah oui, non, mais moi, je vais prendre des langues de chat, je vais couper en deux, comme ça, là, que ça fasse comme le truc de la tombe, et dessus, je vais marquer RIP. Et je vais voir si je peux pas la zéro acheter des trucs exprès. Hein? Non, mais si, c'est des stylos de chocolat ou des trucs comme ça, tu vois. C'est rond. Oui, mais c'est fait exprès. Marque-moi vert de terre. Vert de quoi? Tu sais, je vais faire sortir des vers de terre du gâteau. Mais si! Un bonbon? Oui. Je viens de prendre ma montre dans ma main et je voulais la mettre à la base, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petites bêtes dessus. Je me suis dit, ouais, ça vient d'où? Je pensais que ça venait de ma plante. Et ben, j'ai secoué mon gros truc comme ça, là, d'action. Et là, mais regardez, vous voyez ou pas? Je sais pas si vous voyez. Ça va peut-être pas rendre justice à l'image. Mais il y en a, je ne sais pas combien. Moi, je vais jeter ce truc, hein. Attendez, je le secoue. Oh non, moi, je le jette, ce truc. Mais alors là, regarde, Mimi. Il y a plein de bêtes. Tu vois? Touche pas, hein. Tu as vu? Ça vient de ça. J'ai regardé, du coup, si ça venait de ma plante, parce que j'avais une plante dessus. Mais non, pas du tout, ça vient pas de ma plante.
Donc écoutez, je l'ai jeté. Par curiosité, hein, les trucs comme ça que vous achetez en paille chez Action et tout, franchement, regardez. Hein, regardez par avance si vous n'avez pas des bébêtes comme ça. Après, ça fait longtemps que je l'ai, mais bon, quand même. Ça me fait... Aïe, je mets au bras. Ça me fait un peu suer. Bon, du coup, j'ouvre le vlog. Hein. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Du coup, vous avez dû voir quelques petites prises avant où je vous montre, du coup, notre organisation pour faire les courses, n'est-ce pas? Je trouvais ça rigolo que je filme un petit peu cette scène. C'est Vincent qui s'est proposé, qui était volontaire pour pouvoir faire la liste des courses de cette semaine puisqu'il a vu que j'avais pas mal de choses à faire et que du coup, ça traînait. Il a été mignon, il a voulu m'avancer. Mais ça m'a pas du tout avancé. J'ai repris un petit peu avec lui parce qu'en fait, on n'est pas du tout organisé pareil pour faire les courses. Enfin, la liste des courses, les menus, etc. Et j'ai repris, il y a des choses qu'il n'a pas pensé. Par exemple, que tel jour, moi par exemple, j'avais sport. Tel jour, il faut faire attention parce que par exemple, le lendemain, c'est férié. On était invité, pas invité. Enfin, et puis il a marqué pas mal de trucs style... freestyle, course à la de compo. Je disais, mais salade compo, ça veut dire quoi? C'est que tu vas me mettre des trucs dedans en fait, faut que tu me dises en fait ce que tu veux que je mette dedans, quoi. Et bon, bref, voilà. Donc j'ai repris pas mal de petites choses ce matin. On a fait les menus jusqu'à mardi. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis je voulais vous dire que je déclare la saison des je veux ça sur tous les catalogues du Papa Noël ouverte. Voilà, depuis ce matin, Maëvie elle arrête pas. Je vais donner un petit magazine parce que je les garde précieusement et on y regardera correctement une fois que ça sera le moment, parce que ce qu'il y a c'est que si je leur donne tout de suite, elles vont les défoncer. Et après nous, quand on voudra vraiment regarder et envoyer tout ce qu'il faut Papa Noël, ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, je compte vous faire une petite vidéo sur ça, sur mes idées un petit peu cadeaux. Non, pas cette brosse-là, mais cette brosse-là, c'est... non, celle-là. Celle-là, c'est pour toi, c'est pour tes cheveux. Celle-là, tu peux la prendre si tu veux, d'accord? Je vous ferai une petite vidéo sur ça, là, mes petites idées. Pff, tu m'énerves. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta brosse à cheveux, si toi après tu as des bébêtes dans tes cheveux et que tu la mets autre part, il peut y avoir des bébêtes dans les autres cheveux des autres. C'est pour ça qu'une brosse à cheveux c'est comme les brosses à dents, c'est une seule par personne. Et oui, tu le sais ça. Arrête de faire ça, tu vas abîmer le canapé s'il te plaît. Elle n'a pas fait la sieste, ça va être une journée très longue ma foi. Bref, donc du coup aujourd'hui, là il est à peu près, il est tard, hein, il est 15h, je vous prends beaucoup plus tard. J'ai pris ma douche, j'ai mis ma plus belle tenue. Voilà, un t-shirt large, un legging en dessous, n'est-ce pas? Je vais faire des petits pancakes pour le 4h, parce que du coup, je vais faire des pancakes aux sweats avec compote, etc. Je vais vous faire voir. Et je vous mettrai du coup le dosage pour que vous puissiez les reproduire, pourquoi pas. Et après, du coup, une fois que ça sera fait, on ira peut-être les manger un petit peu dehors, histoire qu'elles courent un peu. Vincent a dit, oui, vu que tu fais pas la sieste, tu n'iras pas dehors. Hein. Voilà, bon, le truc, c'est que sur le coup, je lui ai dit, oui, mais bon, il fait beau. Je préfère qu'elles s'extériorisent, qu'elles restent enfermées un petit peu à la maison, comme ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, on devait aller faire les courses nous-mêmes, mais je me suis levée plutôt tard, vers 9h, parce que Raphaël était très pénible cette nuit, et du coup, c'est Vincent qui a pris le relais ce matin à 7h30, quand tout le monde s'est levé. Et moi, entre guillemets, j'ai dormi jusqu'à... dormi, avec le monde à côté, le bruit, et voilà. Mais j'ai émergé jusqu'à 9h dans le lit, et... enfin, 8h30 que Raphaël vient de faire une tétée, et à 9h, j'ai recouché, je me suis levée. Donc voilà, et en fait, on a prévu du coup demain d'aller faire les courses, et en même temps, on s'arrêtera dans la petite zone où il y a Action, il y a un nouveau magasin qui a ouvert. Donc je vous emmènerai avec moi, et on se fera un petit resto, entre guillemets... en famille demain midi, depuis le temps qu'on dit qu'on veut faire quelque chose. Donc voilà, demain on bouge et je vous bouge avec Bibi. Si je regarde, c'est quoi que tu veux? Ça. Ah, Docteur Maboule? Oui. Il a un gros ventre, hein? Oui. Il a un gros ventre comme qui? Pas comme toi. Comme moi? D'accord, ok. Moi aussi je t'aime. Je vous dis les ingrédients. Donc du coup il faut 2 œufs, 2 compotes nature comme ceci, enfin en gros il faut 90 g de compote, un sachet de sucre vanillé comme ceci et 35 g de farine. Donc je vais en mettre 70, voilà, 70 g de farine, et ça fait des petits pancakes super légers. En gros pour 5 pancakes ça vous fait 3 points en version wet wet. Donc voilà, c'est super, c'est une bonne alternative. Donc je vais en faire environ une petite dizaine pour notre petit 4 heures et ça ira très très bien. Vas-y, appuie encore, il en reste. Maman, elle a qu'une main vu qu'elle a Raphaël. Voilà, très bien. Doucement, appuie sur le dessus là. En plus, maman, elle a le gros bobo. Hein. Je ne peux pas trop appuyer avec cette main. Là, stop. Ok, parfait. On met la deuxième?
Oui. Ils sont trop bien ces œufs là. Top, top. Non, c'est moi qui fais. Parce que ça, tu fais tout le temps les bêtises. J'ai beau te faire confiance, à chaque fois, tu marches. Je fais tout. Voilà, maintenant, tu touilles. Tu tiens bien ton bol. Vas-y, tu peux touiller. Tu le tiens bien. Oh, très bien. Tu veux voir maman un petit peu? T'as vu, c'est fort. Ah oui. Attends. Wow, maman, c'est fort. Ah bon? Ouais. Commencer à peser la farine, il nous faut 70 grammes. Ça, c'est de la levure. Alors, il faut environ une cuillère à café de levure, hein, vraiment pas lourd. Donc, à l'œil, je le mets, mais c'est environ une cuillère à café. Ah, tu m'as mis sur moi. C'est pas grave. Allez, remue, continue de remuer. C'est pas vrai, maman. Alors, toujours dans le même sens. Voilà, faut toujours, quand on fait, on remue toujours dans le même sens. Tu veux que je fasse un petit peu? Non. Tu me dis. Hein. Vas-y, je continue, je te remets tout. Allez, vas-y, remue, c'est bien. Vas-y, faut que tout soit bien mélangé, c'est bien. Remue. C'est très bien, Mélie. Ah oui, c'est très bien. Moi, c'est un chef cuisinier. Toi, t'es un chef cuisinier? Ah oui, toi, t'es un sacré chef cuisinier. Oui. C'est très bien, bravo. Remue bien, c'est très lisse. Oui, toi, tu fatigues, mais ça serait bien de faire dodo aussi, monsieur. Voilà, très bien. C'est bon, mademoiselle, j'ai plus qu'à faire cuire. Tape là. Très bien. Et quoi? Et bah, et c'est tout. Est-ce que tu voudras qu'on en fasse avec un petit peu de pépites de chocolat? Oui. Bon, je t'en mettrai alors. J'ai acheté cette petite chose là au comptoir de Mathilde, une petite pâte à tartiner. J'étais sceptique, mais elle m'a bien vendu le truc, la vendeuse. Et du coup, moi je lui dis que j'étais vraiment une grosse adepte du Nutella et que quand on fait des gaufres ou des crêpes, ce genre de choses, moi c'est Nutella ou rien. Voilà, il y a des choses où j'ai besoin de marque et Nutella, bah ouais, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça remplace pas. Et elle m'a dit que franchement, celle-ci elle était vraiment, 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 vraiment bonne. Du coup, je me suis laissée, entre guillemets, bah, séduire et voilà, j'en ai acheté une. Et bah franchement, je suis agréablement surprise. Bon, j'en ai pris une lichette avec un pancake, sinon je les ai mangés nature. Moi, ils sont très bons nature. Et ben franchement, c'est très bon. J'ai adoré, donc honnêtement, je vais le scanner pour voir par curiosité. Je vous mettrai une petite annotation là, si j'ai réussi à trouver et à mettre les points et tout. Mais agréablement surprise. Elle est très très bonne. Et même Maëvie qui est dans le Nutella et en temps normal, elle a adoré. Voilà, elle m'a pas dit, ah, c'est pas du Nutella. Elle m'a juste dit, c'est un nouveau chocolat. J'ai dit oui. Et elle a mangé, elle m'a dit, c'est super bon, maman. Donc franchement, voilà, une dinguerie. Ouais. Allez, on continue? Tu viens? Viens, c'est pour toi. C'est pour moi? C'est pour toi et papa. D'accord. Ok, merci mon boubi. Attention, hein, pas tomber, va doucement. Ouais. Là, je vous dis que j'ai l'enfant juste ici. Ça grimpe, les gars, avec mes super chaussures. Hop, mes petites mérelles, je vous en ai déjà parlé. Moi, quand je fais de la marche, j'aime bien être confort. Toi aussi, t'as mis tes belles baskets? Ouais. C'est là-bas que maman elle veut aller, tu vois, c'est super beau. Tu pourras faire des bulles. Là, tu vas voir, regarde, viens. Juste ici, ouais. On va avoir une trop belle vue. Tu vas voir. Waouh. C'est trop beau. Regarde, waouh. C'est pas magnifique cet endroit? Ben moi, je vous le dis. Attention de pas tomber, hein. Ouais. Merci mon bébé. Tiens, donne à maman là. Hop, j'ai plus de maman à force. Avec toutes ces fleurs. Attention de pas tomber. Hein. Je trouve ça magnifique. Voilà, et si vous voyez tout là-bas, tout là-bas, il y a le petit puits de Dôme. Hein mon boubinette. J'adore cette vue. Ici l'été, il y a un théâtre en plein air. Donc c'est super agréable, c'est super sympa. J'adore cette vue. Je suis fan. J'adore. Ah mon boubi, t'aimes bien toi aussi? On va prendre les bulles? Je vais te donner les bulles. Waouh, j'adore. Ouais, je vais te donner les bulles.
Je crois qu'il faudrait que je me mette en dessous. Là ? Ouais. C'est marqué place des gourmands. T'es une gourmande, toi ? Oui. Avant, on vous lavait le linge ici. Quand la machine à laver, elle n'existait pas. C'est un lavoir. Tu dis, toi ? Un lavoir. Voilà. Avant, on lavait le linge ici. Elles avaient bien, bien du courage, ma foi. Hein ? Attention, Maëlie. Hein. Il y a des feuilles. Il y a des feuilles ? Ouais. Bon, on se promène. Maëlie nous fait des petites bubules. Elle aime bien. Elle adore les bulles, en fait. Ah ! Oh là, il y a une petite bulle qui met... Dès qu'on va quelque part, je lui dis à chaque fois, j'emmène des bulles si tu veux, comme ça quand on se promène. Elle peut faire des petites bulles, puis on prend l'air. C'est agréable, il fait bon. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. On est bien. Oui. Hein ? On est bien là. Donc voilà, écoutez, on se promène dans notre belle campagne, que j'adore. Là où je vous ai fait voir qu'il y avait un petit peu de théâtre en plein air, l'été j'adore les emmener. Et on prend le goûter. Et on va goûter en haut, on prend les ballons, etc. Mais avec les petites marches, moi je suis une trouillou hein, avec mes enfants. J'ai toujours peur, je pense toujours aux pierres. Donc là, vu que j'étais toute seule, je ne l'ai pas autorisée à descendre. Donc on continue de marcher avec les petites bulles. Et voilà, au moins elle se défoule un petit peu. Et puis je m'arrêterai bien un petit peu au parc vers chez nous. Mais le souci, c'est qu'il y a les balançoires. Et que Maëlie, il faut la... Ah oui, t'as vu ? Elle est bizarre en plus. Elle est bizarre la voiture, hein? Faut que je la pousse un petit peu pour qu'elle prenne son élan et flemme, hein? Elle craque dans les bras, donc voilà. Il respire, je vous assure, il respire. Je suis désolée, j'ai mis le retour pour voir un petit peu où je cadre, donc je suis désolée si je regarde un petit peu et à côté. Donc voilà, écoutez, j'ai posé l'appareil photo, j'ai profité de mes yeux. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. J'espère que ce petit paysage vous ont plu. De ma belle campagne. Bon, du coup, on est sur de la grande cuisine. Petite tomate, sandwich, saucisson, parce qu'il nous en restait et ça laisse périmer, compote et Babybel. Voilà, c'est ce qui s'appelle un bon repas flemme. Mais vous voyez, t'es contente ? Oui. Voilà, et écoute, tant mieux. Un bon dîner. Ah oui, un bon dîner, oui. Bon, du coup, je vais clôturer le vlog ici. Nous, ce soir, on se fait un petit peu péter la panse. Vincent m'a appelé ce soir en me disant qu'est-ce qu'on mange, parce que du coup, on n'avait pas du tout prévu qu'on n'aurait pas le drive aujourd'hui. Et du coup, il nous reste pratiquement que de la charcuterie dans le frigo. C'est pas compliqué, parce qu'on avait acheté quand même beaucoup de charcuterie pour ce week-end. Et du coup, qui dit charcuterie dit l'appel du fromage, qui dit raclette. Donc du coup, on se fait une petite raclette ce soir. En amoureux à deux, on a pris un petit peu de fromage, bon, voilà, et des champignons, ce genre de choses. Moi, j'adore manger des champignons avec la raclette, des poivrons, ce genre de choses. Donc je vais me faire une petite poêlée de légumes avec, plus de la charcuterie et tout. Ça sera très très bon, ma foi. J'arrive. Je clôture du coup le vlog ici. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Demain, comme je vous disais, on va se balader un petit peu. J'espère qu'on aura le temps d'aller manger au resto en famille parce que Vincent, il a un rendez-vous jusqu'à 11h30 demain. Donc à mon avis, ça va être juste encore. Oui. Mais bon, au pire des cas, comme je lui ai dit, que tu peux ou tu peux pas, tant pis, sinon j'irai avec ma boobie. Voilà, après tout, on va pas se priver avec ma vie. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain dans un prochain vlog. Ciao !